chaleur. C'est pas chaud. C'est drôle, t'es tout mouillé. Laisse faire. Ben, moi je m'en retourne avec les autres. Il fait moins chaud dans le centre. Viens-tu? Non, non, je préfère rester ici. T'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, toi? Elle est toute déchirée, ma chemise. Ah, qu'est-ce qu'il va dire, Pluriel? On va faire semblant qu'on est des gros chiens, d'accord? Vous m'avez fait peur! Oh! Mirio! As-tu vu ta chemise? Je sais! Je sais! C'est pour ça que tu voulais pas enlever ton anorak! Guili, 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 guili! Comment t'as fait ça? J'ai grimpé sur la clôture et puis je me suis accrochée. Non, mais c'est dangereux! Elle est pointue, la clôture, en haut! J'ai failli me faire mal aussi. Hé, dites-le pas, Pluriel, hein? Sans ça, vous serez plus mes amis. T'as peur de te faire chicaner, hein? Oh, oui. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je le sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mes parents? Ma belle chemise neuve. Je veux pas qu'ils voient ça. Oh, je vais la cacher. Ben, ils vont s'en apercevoir. Hein, c'est sûr. Ils seront pas de bonne humeur. Mais ça arrive des fois, des accidents. Oui, mais je suis allée sur la clôture, j'avais pas le droit. Si Pluriel savait ça. Ben, dis-lui que tu le feras plus jamais. Premier juré. Ben, je préfère pas lui dire. Mais bon, ben moi je m'en vais me balancer. Moi aussi. Viens-tu, Mirio? Non. Tu vas pas rester assis là tout le temps, puis penser rien qu'à ça. Oh, pourquoi c'est arrivé, ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hé, Camille, penses-tu qu'on pourrait la réparer, ma chemise? C'est-tu cool, toi? Non. Mais moi non plus, pas beaucoup. Avec du papier collant, est-ce que ça marcherait? Ben, peut-être que tu peux essayer. Ça paraîtrait un peu, mais... Je vais aller chercher du papier collant dans le centre. Ah, je vais mettre mon anorak. Tout à coup, je rencontre Pluriel. J'espère que je suis pas en retard. Maman a besoin de moi aujourd'hui pour garder ses œufs. C'est difficile à croire, mais quand j'étais petit, j'étais dans un œuf, moi aussi. Non, pas un œuf comme ça. Ça, c'est des œufs d'oiseaux. Je suis pas un oiseau, moi. Je suis un ornithorynque. Et puis, je me trouve pas mal beau, même si je suis un peu bizarre, avec ma queue de castor. Ma maman, elle laisse pas traîner ses œufs n'importe où. Non, elle les cache au fond de notre terrier, en dessous de la terre. Est-ce que tu as besoin de moi, maman? Ben non, je suis venu trop vite. Ah, j'ai encore le temps de jouer. Et j'aime ça m'amuser, moi. Je nage aussi bien qu'un poisson. Et puis, j'ai plein d'amis dans la rivière. Elle, c'est une écrevisse. Oh, oh! Et mon cousin arrive! Ta maman m'en va chercher. C'est le temps d'aller garder les œufs, là. Ah, mais j'ai encore le goût de jouer, moi. Elle m'avait dit que c'était pas pressé. Ha, ha, ha! C'est le bon moment pour faire une petite visite. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je peux pas laisser les œufs tout seul. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Ouf, j'arrive à temps. Ben voyons, ça sent l'ornithorynque.
Et comment ça se fait que je le vois même pas? Mais je sens quelque chose, j'entends quelque chose. Oh, je ne trouve rien, ça me fâche donc ça. Oh, c'est encore une ruse d'ornithorynque. Oh. Eh bien, tant pis. Ouf, le tigre chat est finalement parti. Et c'est comme ça qu'on fait nous autres pour se protéger. On construit de faux murs, puis on peut les défaire avec notre bec de canard. On est malin. Alors tiens, maman s'en revient. Elle va être fière de moi. Des ailes pour voler comme un oiseau. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est pouvoir changer de grandeur quand ça me tente. Et oui, des fois, là, je serais comme une fourmi, puis je me cacherais en dessous des feuilles. Ah oui! Moi, ce que j'aimerais, là, c'est pouvoir dire, je vais aller sur la Lune, et puis, hop, je serais rendu. Et puis, je pourrais dire aussi, je vais aller sur une île volante, et puis, hop, je serais rendu aussi. Ah oui, une île flottante, là, une île qui flotte, qui se promène sur l'eau. Ben non, pas flottante, passe-montagne. Volante. Oh! Vite, je vous invite, elle s'en vient. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Ben, mon île volante.
Si ça vous tente de venir volanter sur mon île volante, faites vos bagages. Oh, vous allez. Oui, oui, bon, je vous donne 3 boîtes à lunch. Tintin apparaissez. Vous pouvez les remplir toutes remplies. Mais il n'y a rien de plus parce que mon île, elle est volante. Oh, oui, bon. Mais de quoi on a besoin sur ton île? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Il y a de l'eau qui coule à boire. Il y a des noix et des noisettes. Et puis, toutes sortes de cachettes. Et moi, je vais apporter ma arme de poche puis mes jouets. Et puis moi, je vais apporter mes outils pour me construire une cabane et puis mon oreiller. Bon, ben, moi, je vais apporter mon petit sac à dos, tiens. Elle est bien trop petite, cette boîte-là, puis mon oreiller qui entre pas. Je serai jamais capable de tout mettre dans ma boîte. Mais regardez, il y a juste ça qui rentre. Attendez. Ah! Attendez! Regardez! Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah, hé! Hey, c'est pas grave, même si ça ferme pas, hein? Je sens qu'on pourra pas tout apporter, hein? Non. Va falloir choisir. Bon, ben moi, je laisse ça. Moi, je peux laisser ça ici. Moi... Bon... Oh, non, 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 non. Moi, mon oreiller, je le garde bon. Ça fait une drôle de boîte, hein? Des sandwichs avec des chaussettes pis des jumelles. On pourrait peut-être... mettre toute la nourriture dans la même boîte. Bonne idée! Passez-moi la nourriture. Tiens. Ouais. Tiens. Bon. Puis, on pourrait aussi, dans une autre boîte, on pourrait mettre juste l'équipement dont on a besoin sur l'île. Ah, hein? Oui, tiens. Tiens, dans la boîte de passe-midi. Tiens. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'autre boîte? Eh bien, mes livres et puis mon marteau. Tiens, oh, ben... Mon ballon et puis mon chapeau. Puis mon sac à dos. Oui, mais il n'y aura plus de place pour mes jumelles. Ouais, ben peut-être qu'on devrait apporter juste une chose pour explorer l'île. Mais pas trop grosse, hein? Tiens, moi je vais apporter mon petit sac à trouvailles. Puis moi, mes jumelles. Bon. Et puis donne-moi mes livres, Passepartout. Je vais apporter seulement... un livre, celui sur les oiseaux. Tiens, et puis pas mon ton marteau. Non? Non. Oui, mon marteau. Oui? Oui. Et puis mon oreiller, parce que je peux pas m'en passer. Bon. Bon, je suis prêt. Oh non. Dépêche-toi, Passepartout, on t'attend. Mais oui, mais oui, j'avais oublié mon chandail. J'ai hâte que tout soit installé. Hein? Hey, regarde, Passepartout, on pourrait s'asseoir là pour manger. Oui, bonne idée. Oh, la mousse. Oh. Oh, c'est doux. Oh, moi, je fais mon lit ici. Passe mon temps, viens voir. Hein? Regarde ça. Oh, oui. Ben, viens ici, hein. Oh, écoutez. Oh. Hey, heureusement que j'ai apporté mon livre sur les oiseaux.
Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur l'île flottante. Volante, passe-montagne, pas flottante, oh, volante. Oui, vol. Hey, moi, j'ai le goût de marcher le long de l'île. Oh, je suis sûre qu'il y a plein de coquillages bizarres, là. Mm. Oh, il y a peut-être des coquillages de lune. Ah. Je vais-tu les mettre plein dans mon sac? Oui. Puis moi, je vais m'installer sur le bord de l'île, et puis, avec mes jumelles, je vais regarder partout. Hey, il y a peut-être des poissons volants autour d'une île volante. Oh, oui, allons voir. Oh, hey, mais il faudrait apporter la boîte avec tes jumelles, et puis ton petit sac, et puis mon livre. Oui, ah, oui. Vas-y, non. Ah, mais c'est celle-là, oui, c'est ça. Oh, mais j'étais sûre de l'avoir déposée là. Oh, non. Oh, est-ce qu'on l'a perdue? Mais ça se peut pas, on n'a pas bougé d'ici. Je l'ai oublié chez nous. Oh, non, mes jumelles. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, hein? Regardez l'oiseau! Hé! Il est drôle, hein? Oh, Ah! Oh! Oh! Si j'avais mon livre, je trouverais son nom tout de suite. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. C'est drôle comment il chante. Taratata poupou! Taratata poupou! Oh! Hey, si j'avais du papier, je pourrais le dessiner au moins pour m'en souvenir. Comme ça, je chercherais plus tard son nom dans mon livre. Papier, j'en ai, moi. Attends un peu, là. Tiens. Puis moi, j'ai un crayon. Oh, merci, les amis. Je vais aller le dessiner tout de suite avant qu'il s'envole. Taratata poupou. Taratata poupou. On devrait l'appeler le taratata pou. Oh, oui, le taratata pou. Mon chapeau. Quoi? Ben oui, je peux mettre plein de choses dedans. Ça va remplacer mon sac à trouvailles. Ah, mais oui. Hein? Oh, les belles plumes. Oh, regarde. Hé, écoutez. Il y en a un qui fait couroucoucouyou, couroucoucouyou. Oh, passe-montagne, est-ce que tu le vois? Hein? C'est juste là. Oui. Oh, oui. Oh, c'est une perruque. Non, un perroquet. Non, un perroquois. Non, un perroquet. Non. Oh non, ça ressemble pas du tout à un perroquet. Hey, regarde la belle plume. Oh. Hey, on dirait la plume du couroucoucouyou. Couroucoucouyou. Oh, c'est bon, ça me dit. Ah, tu le fais bien. Qu'est-ce que c'était le chant de l'oiseau tout à l'heure? Tu l'avais bien aussi. Tararara. Oui. Non, je m'en souviens plus. Non, moi je m'en souviens. C'est taratata pou pou, taratata pou pou. Est-ce que tu penses pas t'en souvenir? Ah oui. Taratata pou pou. Moi je me rappelais de couroucoucouyou. Ah oui. Couroucoucouyou. Je vais le dessiner. Oh oui. Moi je vais retenir Ergazou. Avez-vous entendu Ergazoupé, le Ergazou? Oh oui, c'est drôle, ça passe à tout. C'est pas une tête d'Ergazou? Ah oui. C'est le taratac. Je me suis approché d'un oiseau, il était pas peureux, il est resté là, puis je me suis approché tout près. Ah oui! Oh, chanceux! Oh. On devrait aller là-bas, il doit avoir plein de belles choses à ramasser. Ah oui, puis il y a des grands arbres aussi, je vais peut-être me construire une cabane dans un arbre. Mais, faudrait pas faire trop de bruit, il doit y avoir plein de petits animaux partout, oui, d'accord. Des dents, mais qui mord pas. Un peigne? Ah,
longues oreilles et qui... Oh, cric! Crac! De longues oreilles et qui mange des carottes. C'est un lapin. Un lapin qui craque. Non, qui croque ses carottes. Encore! Une autre devinette. On les sait toutes par cœur, c'est toujours les mêmes. Ah, j'en sais une bonne, moi. Qu'est-ce que c'est? Essayez de deviner. Quatre pattes sur quatre pattes, a-t-on quatre pattes? Quatre pattes ne vient pas, alors quatre pattes s'en va et quatre pattes restent là. Des quatre pattes, des quatre pattes, des quatre pattes, c'est vous, ça? C'est quoi la réponse? Regardez bien ça. Ta chaise, elle a combien de pattes? Quatre pattes. Mets-toi quatre pattes dessus, Bruno, et puis fais le chat, tu vas voir. D'accord. Miaou, miaou, miaou. Toi, Camel, va te mettre à quatre pattes dans la cabane, puis fais la souris. C'est drôle. Là, ça fait quatre pattes le chat, sur quatre pattes la chaise. Oh oui. Quatre pattes sur quatre pattes, attends, quatre pattes, la souris, là. La souris ne vient pas, alors le chat va s'en aller. Ah oui, je comprends. Quatre pattes, miaou. Sur quatre pattes, la chaise. Attends, quatre pattes, la souris. Quatre pattes vient pas, alors quatre pattes s'en va, descend la chaise, Bruno. Et là, qu'est-ce qui arrive? Hein? Quatre pattes reste là. Dis-le encore une fois, Mirio. Oh,